Est-ce qu'il y en a entre vous qui ont déjà fait des interventions comme ça? Vous avez déjà fait une présentation comme ça, une intervention comme ça? Non? Alors c'est super intéressant parce que je le craignais les premières fois que je l'ai fait et on m'avait demandé de le faire et c'est là où on commence à définir les choses qu'on a en soi mais qu'on n'a pas bien définies. Donc quand on fait un sujet, par exemple le tir, la passe, le dribble, quelque chose comme ça, ou peu importe, on va bien définir ce qu'on croit, dans notre religion à la limite dans notre sport. C'est-à-dire que on a plein de choses qu'on ne détaille pas. Et en préparant l'intervention, on arrive à bien définir nos philosophies de jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que je demandais à Vincent s'il avait un créneau pour l'intervention pour faire. Et il m'a dit qu'il allait me choisir un sujet, mais je voulais faire la passe. Parce que je n'avais pas fait la passe encore. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes d'accord que le basket, c'est un jeu de passe? Alors, on a tendance à l'oublier, on a tendance à ne pas assez insister là-dessus, à quel point c'est important. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que j'ai eu la chance de discuter avec des entraîneurs nationaux des pays différents, et notamment les pays de l'Est, l'ancienne Yougoslavie. Et à l'époque, la France prenait beaucoup de défense de zone. Ça, c'était en senior ou en junior, tout ça. Et la France était un peu, pas honteux, mais gênée de le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de shooters et beaucoup de joueurs athlétiques, mais pas beaucoup de caractère en tir. Et quand on discutait avec ces coachs-là, quand les coachs français discutaient avec les coachs de pays de l'Est, il y avait des bons joueurs de basket, des bonnes formations. Ils étaient gênés par rapport à ça. Les coachs disaient, ouais, vous n'êtes pas super, mais vous n'êtes pas ridicule non plus. Par contre, vous ne faites rêver personne au niveau de la passe. Et quand on se penche sur ce sujet-là, quand on se pose la question sur ça, qui fait rêver au niveau de la passe, au niveau joueur français? Docolo. Cartel. Avant ça. Rigaudeau. D'accord. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais quand... Il n'y en a pas tant que ça, on est d'accord. On ne va pas citer 15 joueurs, ok? Et je suis d'accord avec ceux que vous avez cités, ok? Si on pense à d'autres pays, on a des noms qui nous arrivent très vite, je pense. Plus vite que ça, quand même. D'accord? Et je suis d'accord avec vous. Les Godot, Docolo et tout ça. Il y a autre chose que je trouvais assez marrant, c'est que la feinte est aussi très mal vue en France. Et la feinte fait partie de la passe aussi. D'accord? Est-ce que vous avez une idée pourquoi la feinte? Enfin, selon moi, bien sûr, parce que quand on se met là, c'est nos opinions qu'on partage. C'est pas la vérité. C'est ma vérité. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la feinte est un peu mal vue en France? Ça fait has-been un peu. Il y a quelque chose qui m'est arrivé qui était assez drôle. Il y avait une joueur que j'avais recruté de Foss pour venir à Tarbes. Et un jour, il manquait des joueurs. J'ai toujours un débardeur en dessous. Un bon basketteur a toujours ses baskets quelque part, pas loin. Donc, j'ai mis le short et je me suis mis à jouer. Et il y avait un défenseur sur moi. Et il lui dit au défenseur, attention, il est vicieux. Et je ne comprenais pas sur le coup. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui met des coups, je n'attrape pas des choses, je ne tire pas le short, je ne suis pas un sale joueur, je ne comprenais pas vicieux. Et en fait, c'était parce que dans mon jeu, c'est basé sur beaucoup de feintes. Comme je n'ai pas d'énormes qualités athlétiques, de vitesse, tout ça, donc il y a beaucoup de jeux de feintes. Moi, ma formation, c'était Magic Johnson. Moi, ma formation, c'était les États-Unis. Regardez Magic, j'ai grandi à Santa Barbara et on allait voir les matchs Lakers et le voir faire ça. Et aussi, si vous regardez bien, avant chaque action de Jordan, avant qu'il fasse quelque chose, il y a souvent une feinte. D'accord?
Et quand le joueur dit il est vicieux, c'est que il est plus grand que moi, le joueur, il est plus fort que moi, il était plus physique que moi. Mais c'était pour lui presque malhonnête, d'accord, que je lui mets un vent, ou que c'était déloyal, parce qu'il était plus costaud. D'accord? Donc la feinte, et puis quand on entend certains commentateurs dire la feinte de grammaire, ça me fait bouillonner à l'intérieur. D'accord? Ça dénigre le fait qu'une feinte c'est super important, quoi, et que c'est beau, que ça soit d'une grammaire et tout ça, je vois pas pourquoi on dirait un truc comme ça. D'accord? Une feinte, ça fait partie de la passe. On ne doit pas regarder là où on fait la passe. D'accord? Le défenseur, la seule info qu'il a quand il est face à vous, c'est vous qui le donnez. Donc si vous êtes comme ça, en train de faire une impasse, il va se mettre là. Donc on doit regarder l'opposé. On doit feinter avant de le faire, au moins. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Comme je disais, moi, ma formation, c'était expérience personnelle. C'était Magic Johnson, Larry Bird, Jordan, beaucoup de feinters. Après, c'était les Jason et Jason. Vous savez quel Jason c'est? Et l'autre Jason? Williams? Voilà. Jason Kidd et Jason Williams. Williams, extraordinaire passeur. Ils ne voulaient pas shooter, ils voulaient balancer le ballon contre le mur et travailler le dribble, la passe. D'accord? Ensuite, j'ai entraîné des cadets France, première et deuxième division. On faisait l'ascenseur souvent parce qu'on n'était pas en centre de formation. Et après, j'étais devenu CTF. Donc, je faisais une équipe de National Young Garçon, une équipe de cadets France et CTF. D'accord? Tu fais beaucoup de boulot, toi? Hein? Voilà. Donc, c'était énormément de travail. Et quand je suis devenu CTF, j'étais assez épaté par la qualité de joueur que j'avais. La formation française était bonne, sauf au niveau d'une chose. D'accord? J'ai oublié le football américain dans la voiture, mais c'est dommage, on peut le faire sans après. Alors. Quand j'étais devenu, pour devenir BE2 complet, j'avais le spécifique, mais je n'avais pas le tronc commun deuxième degré. Donc, vous avez devant vous le seul VAE licence STAPS de France, d'accord? D'autres ont essayé, ils n'ont pas réussi, j'étais beaucoup aidé pour le faire, je ne mérite pas tout le crédit pour l'avoir eu. Pour voir ma licence STAPS VAE, il fallait que je présente une comparaison entre la formation française et la formation des États-Unis. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alors, en étant CTF, j'ai pris ma première sélection de gamins. Donc, dedans, il y avait un gamin qui a gagné le Challenge Benjamin, ce qui est pas mal, parce qu'il a amené sa maman à Orlando pour voir l'All-Star Game. Il y avait plusieurs joueurs qui ont atteint des niveaux juste corrects, d'accord? Et on a fait un exercice hyper simple. Je vais prendre ma lardoise, vite fait, t'as pas une lardoise là? Ou quelque chose avec une lardoise? Oui, si. Avec le fait. Vous êtes tous les bons entraîneurs. On le ferait peut-être cet exercice tout à l'heure. Donc c'est un exercice qui vient de son papa. Tout simple, on reste dans le même couloir comme ça, chacun court, d'accord, une passe, deux passes, trois passes, tout le monde continue à courir, 4 et 5, et là ça vient tirer. Je n'en revenais pas qu'il n'y en a pas un qui pouvait faire un pas sur une cible qui était en mouvement. J'étais sidéré. Chaque fois que le joueur courait, la passe était soit derrière, soit en bas, mais ils n'arrivaient pas à donner le ballon à une cible qui était en mouvement. Donc la personne qui m'a aidé avec mon licence APS VAE, c'était un monsieur qui avait écrit des livres, qui était, comment on appelle ça, qui donnait conférences au STAPS et tout ça, conférencier, je sais pas quoi, qui avait un très grand niveau. Et il m'a écouté parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Et puis le lendemain, il me dit, tu sais Alex, par rapport à l'anticipation de points de rencontre. Et je dis quoi? Il me dit, oui, par rapport la passe. Je dis, attends, qu'est-ce que tu as dit là? Il me dit, anticipation de points de rencontre.
Et je dis, c'est formidable, c'est formidable, d'où tu sors ça? Il dit, oui, mais il y a des livres écrits par rapport à ça. Je dis, attends, mais Marc, tu m'as écouté pendant des heures et des heures parler de ça, et toi, tu connais bien le sujet, tout ça. Il dit, moi, c'était vachement intéressant de t'écouter, monsieur, très modeste. Très intéressant en train de t'écouter parler de ça. Donc, vous allez m'entendre dire ça pendant le reste de la présentation, parce que ça n'est que ça. La plupart du temps, vous, vous êtes en mouvement, d'accord? Et vous donnez le ballon à quelqu'un d'autre qui est en mouvement. C'est pas faire une passe à quelqu'un qui arrive à un endroit et faire la passe après, d'accord? C'est anticiper le point de rencontre. Alors, j'ai tellement utilisé ce terme à la maison que mes deux garçons, ils se moquent de moi chaque fois que je parle de ça, parce que pour moi, c'était mettre les bons mots sur la définition de la passe. C'est comme ça que je définirais. Okay? Anticipation de point de rencontre. Alors, il y a des dizaines ou des vingtaines ou des centaines de passes différentes. Okay? Je ne peux pas tous les avoir aujourd'hui. On va essayer de se fixer sur quelques-unes et sur celles que je crois importantes et sur celles que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aborder ou d'y penser ou un peu différent. Okay? Alors, en revenant à cette licence-là VAE que j'ai fait, il y avait un truc, c'est que quand j'ai comparé les États-Unis avec la formation française, c'était pour moi, pourquoi les Américains, ils avaient ça, ils avaient l'anticipation de point de rencontre. Pourquoi ils avaient aussi la passe baseball? Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais aux États-Unis, on pratique énormément de sport dans une saison, enfin dans une année. C'est-à-dire que quand on arrive au lycée, selon où tu habites, tu peux faire, en début de l'année, tu as le choix entre le cross-country, le football américain. Ensuite, là où j'habitais en Californie, c'est le basket ou la lutte. Ensuite, à la fin de l'année, tu peux faire athlétisme, baseball et le sport de filles, le soccer. D'accord? On ne sait plus le sport de filles. Hein? D'accord? Aux États-Unis, c'est ceux qui portent, les garçons qui jouent à ça, ils ont le col en haut. D'accord? Ils sont très riches, ou c'est les filles qui jouent. D'accord? Ça a changé depuis, parce que j'ai quitté les États-Unis il y a plus de 25 ans. Maintenant, c'est devenu un peu plus populaire et tout ça, plus respecté. Donc, ce qui fait qu'on peut pratiquer plusieurs sports. À la télé, on a des super bons commentateurs, déjà, et beaucoup de sports. Et les grands athlètes font des pubs dans tous les sens pour plein de choses. Ce qui, comparé à ici, n'a rien à voir. Et on a aussi des commentateurs qui nous expliquent, qui disent souvent, les enfants, si vous regardez, ça c'est un beau geste, ça c'est des trucs. Et donc on est éduqués par rapport à ça. On a des beaux images de passes et de choses comme ça qui sont formidables. En France, est-ce qu'on met la passe en valeur? Moi, quand je jouais, à mon petit niveau, la seule statistique qu'on avait, c'était les points. Alors, les gens qui me disaient, oh, t'as pas fait un grand match ce week-end. Alors que j'avais peut-être fait un très bon match, mais statistiquement, ça s'était pas vu. En France, ce qui me marque énormément, c'est que quelqu'un marque un but au foot, souvent il n'a rien fait, il a juste tendu le pied. Ce qui a été fait avant, par contre, c'était magnifique. Et ça, c'est jamais mis en valeur. Enfin, jamais j'exagère. D'accord? Donc, culturellement, je pense qu'il y a des soucis par rapport à ça. Okay? Et vous le remarquez souvent, lui, il va faire le tour du stade devant les bras, et le gars qui a fait tout le boulot avant, ben voilà, est-ce qu'on lui montre le doigt? Moi, j'essaie quand j'ai des jeunes qui se complimentent, qui se montrent du doigt quand il y a une bonne passe. D'accord? Ça, c'est, je crois que c'est quelque chose d'important. On pratique plusieurs sports. Donc déjà, on est en train de faire la passe d'export. On va lancer le ballon avec son frère, son voisin, son copain, son coéquipier, en dehors des entraînements. D'accord? Ou déjà, cette passe-là, on le travaille. Est-ce que vous le travaillez cette passe-là avec vos jeunes? Vous le travaillez la passe baseball? Donc vous avez 3 heures d'entraînement par semaine, d'accord? Maximum. Si vous le faites, ok, c'est très bien. Sinon, c'est déjà fait aux États-Unis hors entraînement, d'accord? En dehors des entraînements, pendant les récrés, parce que toutes les écoles, ils ont de l'herbe, ils ont des paniers, ils ont des salles, ils ont des gymnases. Je vous parle des collèges, je ne vous parle pas des lycées qui sont comme des campus universitaires en France, quoi, d'accord? Donc on va se mettre à lancer le ballon, passe baseball, distance statique. Après on va vouloir imiter le
le joueur à la télé ou le gars, et il va jouer ton mouvement et on va lui faire une passe quand il y a un mouvement. Sans le savoir, on est en train de travailler ça. Anticipation de point de rencontre. Vous savez que Gérard Bosque, il a fait une étude pour savoir pourquoi les Américains, ils étaient si forts en basket, tous ces gamins qui sortaient de familles où il n'y avait que la maman qui était là, pas de père, tout ça, ben, il a trouvé qu'ils avaient tous un truc en commun. Ils avaient un terrain à disponibilité 24 heures sur 24 où ils pouvaient aller jouer, où il n'y avait pas d'entraîneur. Personne pour leur dire ça c'est bien, ça c'est mal, fais comme ci, fais pas comme ça. Fais. Et ils ont développé leur style de jeu. D'accord ? Et ça aussi, ça m'a marqué. Moi, je trouve que nous, notre rôle, c'est leur montrer le geste, d'accord ? Leur montrer comment il faut le faire, comment il faut le travailler contre un mur, comment il peut le travailler seul. Parce que ce qui est extraordinaire avec ce sport-là, c'est qu'il y a un panier partout, d'accord ? C'est votre faute si vous n'amenez pas votre ballon et vos chaussures, d'accord ? Parce que je l'ai obligé de jouer. C'est moi qui ai pris le ballon, mais normalement, il aurait dû prendre son propre ballon. Ce gamin que j'ai amené, d'accord ? Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez vous entraîner quand vous voulez, même à la passe. D'accord, c'est comme le tennis, vous allez taper contre le mur. Voilà. Donc, on se met en mouvement, on se fait la passe baseball. Je pense au baseball. Le baseball, je ne sais pas si vous savez, mais c'est, il faut penser à l'action d'après. Il y a un mec sur la première base, il y a celui qui va taper dans la balle, d'accord, et moi je suis en défense. Ou peut-être il y a deux gars sur les bases. Et il faut penser que je dois sauver le ballon, plonger, l'attraper, l'envoyer, l'enchaînement d'action. D'accord ? Et en étant en mouvement. Okay. Ce qui est super intéressant, peut-être que vous ne savez pas, sur le football américain, quand ils se réunissent là, c'est pas pour dire, tu as vu la gonzesse au troisième rang là-haut, là, c'est pour se dire, on va faire drapeau 15, d'accord ? Ce qui veut dire, par exemple, il va sortir 15 yards, il va tourner à droite. Okay. Donc, moi je suis le lanceur, je prends la balle. Le receveur, il va partir, on va dire que là, c'est le 15 yards. Je balance la balle avant qu'il a même tourné le dos. Il a le dos tourné, la passe est partie. Mais lui, il sait qu'il va tourner ici et que la balle va être là quand il se retourne. D'accord ? Ce qui te donne la notion que, ce que moi, je vois en France, chez vous, c'est que vous attendez que le joueur arrive et après, vous faites la passe. Vous n'avez pas la notion que le ballon va rester un certain temps en air. D'accord ? Et qu'il va passer une fraction d'une seconde, que le ballon va arriver et le joueur va arriver là. Ok ? Exactement. 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 Comment on pourrait dire que le football américain a aidé un basketteur sur ce que je vous dis là ? Qu'est-ce qui peut se passer sur une séquence de jeu là où je suis porteur de balle, il se passe quelque chose là qui peut être comparé avec lui, il va tourner, il va revenir, il va faire ça. Sur une remise en jeu, je sais déjà qu'il va partir sans savoir le voir, ben, je sais déjà, je prends l'information avant de faire la passe. Exactement. Ça, c'est une bonne remise en jeu. Vous savez très bien que l'intérieur, il va ouvrir. Si ça aide, boum. D'accord. Moi, je vois écran ouverture. Et je vois souvent quand on parle de lecture de jeu, souvent on n'arrive pas à ça, veut dire quoi lecture de jeu ? Ben, lecture de jeu, il y a un écran en ligne de fond, d'accord ? L'extérieur est en train de bumper un petit peu pour donner le temps à l'intérieur d'arriver. Et ça, vous le voyez, vous savez qu'il va vite partir et qu'il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour le faire la passe. D'accord ? Donc ça, comparé français aux États-Unis, d'accord ? Les États-Unis, ils ont un petit avantage parce que les gosses, ils vont jouer et ils vont déjà avoir des gestes, d'accord ? Ils vont essayer aussi de contrôler leur corps pour attraper le ballon, avoir les deux pieds en ligne comme ça, d'accord ? Et cette notion d'être en mouvement, moi et lui en mouvement, et aussi anticipation de points de rencontre. Ok ? Alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait être quelques critères, quelques capacités qui sont nécessaires pour être un bon passeur ? Anticiper. Anticiper ? Ça, c'est sûr et certain. Visuel, ce qui est lecture. Visuel, déjà, ça c'est très bien. Qu'est-ce que. Visuel, c'est-à-dire déjà, porteur de balle, qu'est-ce qu'il doit. Premier, coacher des gamins,
qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Il doit être capable de voir le jeu en tirant le ballon, avec pression sur eux. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la chose que moi, je suis le plus fier de mes enfants qui jouent, qui sont capables de faire. Alain Jardel, d'accord, si vous connaissez, il dit que ça se perd. Okay? Il dit que ça se perd. Il dit qu'il n'y a plus un gamin qui est capable, en faisant son geste, tu vois, la vie, capable de faire ça. Il y en a qui le connaissent, j'ai super bien imité là. D'accord? Okay? Donc, capable de voir le jeu avec pression pour donner un ballon. Okay? Quoi d'autre? Les appuis. Les appuis. Qu'est-ce qu'il y a dans les appuis? Les pieds d'appui. Il faut être équilibré, d'accord? Il faut être capable aussi de pivoter. Je trouve qu'il y a des je vais donner à l'intérieur, qui peut-être, ça va être un grand sujet aujourd'hui. Mais bon, il est là, je vais peut-être feinter ici pour être capable de pivoter là. D'accord? Ça, c'est un pivot très important que j'utilisais souvent pour donner à l'intérieur. Je savais que si je voulais shooter moi à l'extérieur, il fallait que je donne à je nourris la bête, feed the monster, comme on dit chez nous. D'accord? Plus je nourris la bête, plus il va me rendre des choses. D'accord? Je me rappelle, il y avait un entraîneur qui venait nous voir jouer à l'époque, il disait, oh, vos systèmes, vous, on n'avait pas de système. Je donnais à l'intérieur, je me décalais, il me ressortait le ballon, nickel. Comment on s'entraîne pour shooter tout le temps? Il y a un rebondeur en dessous, la passe, elle vient de là. Ah, moi, je tiens. De passe, rarement on shoot que le passe, il vient d'un angle comme ça. Le ballon revient toujours, allez, un ballon pour deux, allez, on fait des passes. Donc, moi, je donnais à l'intérieur. Lui n'était pas très fort dos au panier, donc ça m'arrangeait. Je me décalais dans un sens ou l'autre, il me ressortait le ballon et pim, pim, pim. Okay. Donc, les appuis, il faut être bien équilibré. Pas toujours, d'accord? Quoi d'autre? Le gestuel. Okay, gestuel. Selon la passe qu'on veut faire. Comment? Selon la passe qu'on veut faire, avoir les bonnes. Exact. Dans quoi il faut voir la force, à votre avis? Dans les appuis, on a dit ça, mais dans quoi d'autre? Il y a un truc qu'on néglige beaucoup, qu'on n'en parle jamais. J'ai jamais vu un préparateur physique qui travaille ces trucs-là. Le gainage? Gainage? Évident ça. Évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Dans le poignet. Les poignets. Poignets. Les avant-bras et les doigts. Christopit Narvich. Il a des exos, il fait ça là tout le temps pour renforcer ses doigts. Et après, il a un gros muscle comme ça avec un bain qui sort. Vous voyez? D'accord? Je m'appelle pas Pestopique, mais j'ai beaucoup travaillé mes doigts dans d'autres domaines et tout ça. Quoi. Et j'ai remarqué, il y a un garçon qui s'appelle Babou Sissé, quand il pénétrait, quand il faisait 1-2, il n'avait plus de force, avec la force de son poignet, il envoie une passe laser à quelqu'un, d'accord? Alors qu'il n'avait plus de force. Et j'ai eu l'honneur de le regarder s'entraîner et jouer pendant une saison. Quoi d'autre? Allez, je vous balance les miennes. Si vous faites ça là, ça vous fait penser à quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de travailler là, à votre avis? Les visions périphériques. Voilà. Donc ça, c'est une façon qu'on travaille sa vision périphérique. C'est être capable de voir des choses sans forcément les voir. Alors, vous n'êtes pas tous dotés des gros yeux globuleux, okay, comme moi. Okay. Moi, je peux voir plein de choses sans le regarder. D'accord? Il pense que des fois, je ne le vois pas, mais il se fait gronder quand même. D'accord? Je ne sais pas si je vais travailler, mais je fais des recherches comment le travailler. Donc, une des façons, c'est vous regardez devant, d'accord, vous pouvez le faire là, comme vous voulez, et vous bougez vos doigts, et vous faites en sorte de le mettre là où vous le voyez sans tourner la tête. Et ça, c'est travail, ça. D'accord? C'est pas si je l'ai ou je ne l'ai pas, ça, c'est travail. Autre chose que je faisais avant, je vous montre notre exercice, il me faut, allez, 3 joueurs. Allez, ça va être vite fait, on monte juste l'exo. Allez, bien proche. Il me faut 3 ballons. Un quatrième joueur aussi. Un quatrième joueur. Si vous n'avez pas à courir, on va mettre Paul en situation. Paul va se mettre là. Ok, face à ici. On va mettre un joueur au trait là. Un joueur face à lui avec ballon. Et un autre joueur sur l'autre trait ici. Là. Tiens. Paul, tu te mets face à lui. Ok.
justement le ballon. Donc, tu connais ça? Ah, ça. Vous me regardez à moi, ok? Si je fais ça, tu fais la passe à Paul, même s'il ne te regarde pas, ok? Tu vas faire un en arrière. Est-ce que tu vois tout le monde? Je regarde le tu vois tout le monde? Si je fais ça, ok? Toi, tu vas l'attraper, il va pas aussi vite. J'ai le droit de le dire. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes prêts? Je vais passer même Paul en retour. Ouais. Allez, il faut que ça aille plus vite. Recule un petit pas. Okay. Tu m'as dit que tu vois et tout le monde s'entend. Okay. Tu as vu de bons passes. Ok, vous avez une idée, d'accord. Donc il y a des façons de penser ce travail, ça. Merci. Allez. Il y a des façons qu'on peut travailler sa vision et tout simplement. Ok, joue avec pièce. Alors, on a dit voir la passe avant qu'elle y ait. D'accord, ça reste en anticipation de première rencontre, mais c'est aussi quelqu'un est en train de couper au panier, il n'y est pas tout de suite parce que bon, il faut lui donner le temps, donc il faut feinter un petit peu. Voilà. D'accord. Dans le basket, il faut aller l'opposé de là où on veut y aller. Si je veux jouer un contre un là-bas, je vais d'abord déséquilibrer mon défenseur dans un sens pour aller dans l'autre sens. Je vais aussi créer un espace là-bas, aller vers ici. Dans la passe, je vais donner là. Je ne vais pas faire 36-15, je donne ici. D'accord. Je vais là pour venir là après. D'accord. Anticiper le trajet de l'attaquant et le défenseur. Vision de jeu, tête levée, contact visuel avec qui je vais faire la passe. Donc, pas le ballon à quelqu'un qui ne me regarde pas. D'accord. Ça va contre ce que je disais pour le football américain. D'accord. Donc, bon. Vision. Alors, faire simple. Ça, des fois, c'est le plus dur. Parce que pourquoi? Parce qu'on est en génération top 10 et qu'il y a la super passe qui est rentrée, machin. Mais bon, voilà. Pour être un bon passeur, il ne faut pas perdre le ballon. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui perd 4 ballons de moyenne par match et qui on dit que c'est un bon passeur. J'ai des doutes là-dessus, quoi. D'accord. Maîtriser l'art de la feinte, du regard. Il y a un exo, on va le faire après, mais il y a un exo que je fais aux gamins où je leur dis, ils sont en train de faire une remise en jeu, il y a un défenseur devant. La seule information que le défenseur a, c'est toi qui le donne. Pourquoi tu vas dire que tu vas faire une passe là? Le basket, tu peux voler, c'est génial. Et tu peux mentir. C'est top. Ok? Donc, mens avec tes yeux. Souvent avec mes gamins, je me suis regardé ça et je le tape derrière la tête. D'accord? C'est, oh, regarde ça, pile. D'accord? C'est exactement ça. C'est mon défenseur, il me regarde mes yeux pour voir ce que je vais faire. Pourquoi? Je vais dire ce que je vais faire. Je dis, vous êtes des bons petits acteurs là, d'accord? Alors je trouve jamais un acteur qu'un enfant connaît, quoi. Donc je dis, voilà. Prenez l'exemple sur moi, à une époque je pouvais dire Brad Pitt, mais maintenant c'est plus un mélange de, on va dire, George Clooney et un acteur italien. Okay? Alors, si vous rigolez, c'est que c'est pas bien si vous connaissez cet acteur italien. Faut-il être bon shooter pour être bon passeur? Non? Est-ce que ça aide? En tout cas, un bon shooter, il sait comment il veut recevoir une bonne passe. Oui. Donc il frappe. Est-ce que si je veux donner à l'intérieur? Ok. La 45 degrés, le défenseur il recule. Allez, je ne peux pas donner à l'intérieur parce qu'il sait que je ne peux pas shooter. Ça aide quand même d'être bon shooter pour être bon passeur. Parce que si je fais ça, il est obligé de sortir sur moi. Ça m'aide aussi pour driver. Et ça aide mes coéquipiers pour créer des espaces sur le terrain pour donner des ballons, pour driver, pour couper. Donc ça aide un peu. Mais bon, Rajon Rondo n'est pas forcément un bon shooter. Il est bon, aujourd'hui c'est différent. Mais c'est un excellent passeur. Donc, on va toujours trouver une exception à la règle, mais je pense que personnellement, ça aide.
la capacité d'utiliser les deux mains, avoir les forces dans les deux mains. Okay? Ça, c'est vraiment important. Je suis déçu que personne n'a dit ça. D'accord? Vous aurez quand même trouvé ça. De la dextérité, l'amplitude, de la souplesse. Okay? Quelque chose de très important. Connaître ses coéquipiers. D'accord? Moi, quand je prends des rebonds pour les joueurs, des fois je balance ici, des fois je balance là, des fois je balance un petit peu en haut, des fois. Et je remarque, est-ce que ça rentre? Okay? Où c'est qu'il aime? Il y a des joueurs qui aiment bien pour le ballon décalé et faire ça. Il y a des joueurs qui veulent le là. Il y a d'autres qui aiment ici, sur ce côté-là. D'accord? Dennis Rodman, il prenait des rebonds pour Jordan pour voir quand il ratait, où ça sortait. D'accord? Donc c'est pareil. Quand vous prenez des rebonds pour les joueurs, quand vous faites des trucs banals de un ballon pour deux, obligé à faire des passes avec la main faible. D'accord? Perds pas de temps avec des trucs. Voilà. Tu peux travailler sur leur main faible en faisant des passes avec la main faible. Donc connaître ses coéquipiers, l'intérieur, est-ce qu'il aime voir le ballon là? Est-ce qu'il aime voir le ballon ici? Comment il aime voir la balle? Ok? Et est-ce que je peux donner un ballon à un intérieur? Une ou deux fois, il va se le faire prendre. Il prendra bien sa position, je ne le donne plus, parce qu'il faut être deux pour faire une passe. Okay? Parce que, à qui ne pas donner? Faire le bon choix. Je me trouve en situation de 3 contre 2, d'accord? Et je vais donner à l'intérieur, il a un dribble à faire, il va poser, alors que j'ai mon gros score là. Non. Faire le bon choix pour être un bon passeur, d'accord? Le gars, il part en contre-attaque, j'ai un joueur à Limoges, hey, Demar, j'étais seul là devant. Le meneur a dit, ouais, alors? Il me dit, ouais, mais j'étais seul. Il a dit, what are you going to do with it? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est horrible, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Et c'était le cas, il avait raison. Et l'autre, il a baissé la tête comme ça. Et voilà, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais te donner, mais alors? Être un bon passeur, c'est assurer la première passe pour un meneur d'un système ou d'un non-meneur. De savoir quel côté je déclenche le système. Parce que je sais que le système il va finir avec lui là, donc je vais le déclencher ici. Ça, c'est être un bon passeur. Être un bon passeur, je drive, j'ai deux choix à trois points. Et j'ai une fraction de seconde pour savoir à qui je vais donner pour me faire mon passe d'aise, ma passe d'aise. Être un bon passeur, c'est faire la passe avant la passe. Et ça, dommage qu'on ne le reconnaît pas assez, ça là aussi. Être un bon passeur, c'est de donner ce que j'ai de plus précieux. D'accord? Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Tout le monde est en train de me regarder, j'ai la balle, je suis beau, je dribble bien, je vais shooter et tout ça. Ouais, mais il faut le lâcher la balle. Pas. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'ils ont leurs parents qui disent shoot, shoot, ne fais pas la remise en jeu parce que tu ne shooteras pas. J'ai entendu là cette année ça, à un match de 2013. Ne fais pas la remise en jeu, ne fais pas la remise en jeu, tu ne vas pas le shooter, donc ne le fais pas. Tu ne le fais pas. D'accord? C'est de donner ce qu'on a de plus précieux. Parce que pendant ce moment-là, tout le monde me regarde, je suis beau, je dribble, maman et papa me voient, papa m'a dit de ne pas faire la passe, de shooter à chaque fois que je vais, parce que de toute façon, je ne vais pas le revoir. Ok? Savoir donner un ballon intérieur. Ça me chagrine beaucoup. C'est quoi le poste du jeu le plus dur à jouer? Intérieur. Hein? Intérieur. Poste 5. Le pauvre poste 5. Il joue dans un espace comme ça. Il fait tout le sale boulot. Il doit courir de ligne de fond en ligne de fond. Le meneur, il prend le ballon là, il va à trois points, il donne. Voilà. Ça se dispute. Peut-être le meneur c'est plus dur. Non, je ne sais pas. Mais le 5, il est dans un tout petit espace où il doit prendre une décision comme ça. Il doit courir, prendre des rebonds, prendre des coups, truc machin. Et il ne touche pas un ballon pendant des heures parce que les extérieurs ne regardent même pas parce qu'ils ont le ballon là. L'instant d'un kiff. C'est tout con ça. Je vois personne faire ça. Est-ce qu'elle passe à l'intérieur? Elle peut venir de là. Tous les jours. Tous les jours. Elle est là. Est-ce qu'on la prend de celle-là? Elle est là. D'accord? Elle est, tout simplement, elle est là. Là. D'accord? Est-ce que c'est une passe directe ou à terme que je donne à l'intérieur? Et pourquoi?
À terre, pour qu'il garde ses appuis. À qui je donne un passe à terre, à qui je donne un passe direct? Si j'ai un mec qui fait 2m15, je vais donner en haut. Si j'ai un gars qui est plus petit, qui est en train de demander là, je vais faire filer un ballon en l'air ici pour que l'autre arrive, je le donne là. Est-ce que vous savez que le pourcentage de tir augmente sur une passe à terre? Vous le savez ça? Non. Vous savez pourquoi? Moi je sais pas, j'ai mon idée pourquoi. J'ai plusieurs idées pourquoi. On a plus de temps pour la capter. Ça c'est pas mal ça. On a plus de temps à la capter. On a plus de temps à s'ajuster sur une passe à terre qu'une passe directe qui arrive comme ça. D'accord? C'est comme si on prenait un dribble. Moi je connais des intérieurs, tu le fais un passe à terre. Sur le passe à terre, ils ont déjà reculé, ils ont déjà pris un contact, ils ont déjà enroulé. D'accord? Sur quelqu'un qui est parti en contre-attaque, un passe laser qui peut arriver n'importe comment, mais un passe à terre, il peut ajuster sa course pour l'attraper, pour y arriver. La passe à terre, c'est un art. La passe à terre sur un backdoor avec un défenseur même qui a l'avantage, moi je peux te la mettre. Et c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure, qu'on travaillera tout à l'heure. Mais la passe à terre, franchement, quelque chose qui doit être travaillé. Un bon passeur ne force pas la passe. Elle n'y est pas, ok? Petite anecdote, je travaille avec Fred Forte une année sur Limoges. J'adore cette anecdote, peut-être c'est un peu à voir avec le thème. Il avait un Américain qui a commencé, on va dire, à l'embêter. Hey mec, nanana, et Forte a dit non, tu fais ça. Le gars a dit non, je ne ferai pas ça. Ok, système 3. Donc l'Américain s'est démarqué, Forte venait là comme ça, le gars s'est... Une, deux, trois fois. L'Américain a dégoupillé. Il allait le voir, il voulait le taper. Il dit, oh, tu peux me taper, mais c'est moi le meneur. C'est moi qui annonce le système. C'est moi qui décide qui aura la balle. Et quel système va annoncer et de quel côté elle va être annoncée. Donc maintenant, quand je te dis un truc, tu vas m'écouter. Génial. Ceux qui ont connu Dallas, Forte, c'était J.R. Ewing. Il était vraiment très fort à ce niveau-là. Okay, ne pas forcer la passe. D'accord. Assurer la première passe de l'entrée d'un système, que j'ai déjà dit, ou choisir le bon côté sous la pression défensive. C'est-à-dire que je vais déclencher mon système de ce côté-là parce que je sais que lui shootera à la fin pour donner lui le ballon à l'intérieur. Être altruiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, capacité à donner ce que j'ai de plus précieux. Okay. Dribble, drive, pass. Okay. C'est-à-dire que avoir la force, comme on a dit tout à l'heure, de dribbler, et déjà prendre les informations et pas sauter en l'air sans prendre les informations et tout ça. Alors, je ne savais pas si j'avais un joueur, on va dire, qui s'appelait Adrien T. D'accord? Et Adrien T, nous dans le basket, on veut entrer le ballon dans la raquette, mais surtout, moi je dis que mettre le ballon ici, c'est le top. Mais quand Adrien T, il arrivait là à chaque fois, Adrien T, il sautait. Il avait une belle détente, Adrien T. Il était très très beau, Adrien T. Il avait beaucoup de succès avec les filles, Adrien T. D'accord? Mais Adrien T, quand il arrivait là, boum! Et il sautait en l'air, puis il s'en débarrassait. Et il le perdait. Donc je lui dis gentiment. Après, je lui dis méchamment. Après, je me suis moqué de lui. Aucun de ces trucs a marché. Et puis un jour, peut-être on devrait éteindre la caméra. Un jour, je dis, tu sais à quoi tu me fais penser? Tu entres dans la raquette et tu exploses, toi. Ben écoutez, il ne l'a plus jamais fait. Ça a touché tellement son manlyhood, tu sais, son côté macho, qu'il entrait dans la raquette, il s'arrêtait, il pivotait, il me trouvait la bonne passe sans sauter. Donc, c'est pour la petite histoire, pour trouver l'astuce qu'il faut pour chaque joueur pour qu'il arrête de faire ces choses-là. Alors, on a parlé de maîtriser tous les styles de passe, d'accord? Ok? Ça, vous savez très bien, vous pouvez mettre à deux, faire des passes, trucs machin. Je vous respecte un peu plus que ça, on ne va pas rentrer dans tout ça. L'équilibre, appui, ne pas sauter, ok? La passe, souvent, je dis la passe qui amène au panier. D'accord? Ça, c'est très important.
Ok, c'est pas juste faire un ballon où il l'a eu, parce que si il est en pleine course, tu dois l'attraper là, ou ce qu'on va parler de tout à l'heure, un drive, le joueur qui est seul et le défenseur qui arrive sur lui, s'il doit l'attraper là ou sauter pour l'avoir, mais c'est trop tard pour le shooter. D'accord? Donc une passe qui amène au panier. Ce que vous remarquerez dans l'NBA, où quelqu'un a parlé de Rigaudot tout à l'heure, vous savez ce qui l'a impressionné le plus quand il est arrivé en NBA? Il a fait une petite saison à Dallas, même pas une saison entière, je crois. Il a dit la vitesse, la passe. La force, la vitesse, la passe. Et si vous regardez l'NBA, il y a un truc qui me surprend beaucoup, c'est que tous les passes sont ici. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce que sont les consignes, mais je trouve dire viser le nombril, c'est intéressant. Parce que tout ça peut bouger. C'est ce qu'on dit au football américain quand on va tacler quelqu'un, d'accord? On veut l'attraper pour le tacler. On dit le nombril, c'est le seul truc qui ne peut pas te feinter. Parce que ça serait toujours là. D'accord? Donc moi je dis viser le nombril quand vous... parce que. Si, même si vous devez l'attraper ici pour après l'emmener là, pour après l'emmener ici, on perd un temps fou, quoi. Ça donne le temps à un défenseur d'arriver. Le coach de force, il a fait un peu d'université aux États-Unis, et son entraîneur à lui disait, mets beaucoup d'effets sur la balle quand tu l'envoies. Beaucoup, beaucoup d'effets. Vous ne devinerez jamais pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la vitesse ou la trajectoire de la balle. Est-ce que quelqu'un peut deviner pourquoi? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Il dit parce que quand il attrape ça, déjà ça lui casse le poignet au joueur pour qu'il se mette en place. C'est intéressant, c'est une théorie. Mais il me disait ça avait marqué beaucoup, son entraîneur avait beaucoup insisté sur ça. Moi j'insiste que la passe doit arriver pour qu'elle soit là, pour qu'il a juste à l'attraper et enchaîner. Un bon shooter est prêt avant que le ballon arrive, il entre dans son tir, d'accord? Et la passe arrive là, il a juste à enchaîner. Ok? Comment enseigner, d'accord, tout ça à vos joueurs? Alors, premièrement, obligé à reconnaître qui a fait la passe pour marquer là. Est-ce que j'ai obligé à reconnaître qui a fait que tu as marqué? Ouais, c'est pas super bien dit. C'est-à-dire que vous, comme entraîneur, là, c'est comme au foot là, on va faire « Ah super, il a marqué le panier, génial, bien, bravo Yanis, bidule, machin, ok ?» Mais quelqu'un avant a fait quelque chose de sympa. Et si vous, déjà, vous ne le mettez pas en avant, d'accord? Vous pensez qu'il va vouloir faire la passe la prochaine fois? Il va dire oh, « Je ne vais pas le faire, on ne m'a rien dit à moi, c'est moi qui a fait la passe. La prochaine fois, moi je bombarde, parce qu'on a félicité à lui. » Donc c'est, vous avez un boulot très important, très très important quand vous enseignez la mise en valeur du passeur, ok? Et aussi de la passe avant la passe décisive. C'est-à-dire que vous voyez souvent, la plupart du temps, ça va être un qui arrive ici en tête de raquette, quelqu'un qui est seul, il renverse très vite avant de l'arrêter. Ou on donne à l'intérieur, il renverse. Qu'est-ce qu'il a vu l'aide? Parce que quand il attrape le ballon, voilà. J'ai oublié de parler d'une chose sur les qualités de passe. C'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre les informations avant qu'il attrape la balle. Et je pense à une situation en particulier, le poste de haut, le poste de bas, high low. C'est-à-dire qu'il y a un intérieur, le jeu en triangle. Le ballon, il est là-bas à 45, j'ai un intérieur ici. Je vois bien que les défenseurs, il est de ce côté-là et qu'il ne peut pas. Et moi, quand je monte, j'ai déjà ces infos-là, d'accord? Et je le capte et je l'envoie. Je l'ai anticipé ça. Aussi la capacité de recevoir le ballon et se mettre face au jeu direct et pas faire. Voilà. Là, on a perdu trop de temps. C'est plus fluide. D'accord? Il faut que ça enchaîne. Et Tom Messina, il dit que c'est pas une action après une autre action. Il dit que c'est une cascade qui ne s'arrête pas, que c'est fluide. Alors, aussi, c'est. Reconnaître la bonne volonté, d'accord? Comment enseigner? Reconnaître la bonne volonté. Ok? Il a essayé, peut-être qu'il n'a pas assez de force encore, mais il avait la tête levée, il a voulu le faire. Reconnaître que ce n'est pas toujours la faute du passeur. Ok? De ne pas engueuler quelqu'un qui a essayé une passe alors que le gars, il avait le post-up, tu pensais qu'il avait le post-up, mais il n'a pas tenu son post-up. Ou qu'il s'est peut-être mal démarqué ou tout ça. Or que le gamin, il a essayé, mais bon, voilà. Il faut être deux pour faire une bonne passe.
Ok, reconnaître le coupable, quoi, le passeur ou le receveur. Ok. Alors montrer, démontrer, faire et montrer comment le travail seul ou avec quelqu'un. Donc je vous ai dit, tous peuvent se travailler contre un mur, passe, il passe avec une main, d'accord. Après aussi définir, est-ce que vous êtes d'accord avec quelqu'un ici qui va faire une passe à une main sans attraper avec l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Oui, pourquoi? Moi, c'est plus dans que si jamais il va pour faire sa passe, qu'il sent qu'il ne peut pas, il peut la rattraper et repartir. Est-ce qu'il ne peut pas faire de la passe? T'as regardé des vidéos de qui, toi? Non, c'est ce que j'entends au gamin. C'est pas mal, ça. Alors, lui, il dit non, parce que s'il part sur ça, d'accord, et si quelque chose se passe entre-temps, il ne peut plus l'arrêter. D'accord? Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison, d'accord? Je dis juste que je l'ai vu ça hier dans mon match. Mon intérieur ici, il est parti comme ça, sur une main. Il allait le faire parce que le gars était seul, mais le défenseur était arrivé, il était engagé et il pouvait plus se retenir. Donc, si on prenait la moitié entre vous deux, c'est-à-dire trois quarts, c'est-à-dire pas ça, mais trois quarts, c'est-à-dire qu'ici, je pars comme ça et maintenant je ne peux plus le faire, au moins je peux m'arrêter là. D'accord? Après, c'est une perte de temps de l'attraper à deux mains et de le faire. Tu ne peux pas, sur un pick and roll, attraper à deux mains. Il est seul à ce moment-là, l'ouverture, elle est là maintenant. Le temps que je l'attrape à deux mains, que je fais ça, que je l'envoie, elle n'y est plus. C'est cette millimètre d'une seconde-là, je rate l'occasion de l'ouverture qui était. La fenêtre a été ouverte et le temps que je l'attrape à deux mains, elle n'y est plus. Donc sur le pass pick and roll, 9 fois sur 10, c'est, ça va être la petite passe dans l'approche là, au pick and short roll, c'est à terre entre les deux défenseurs. Ok? Alors, quand vous mettez votre exercice en place pour démontrer votre exo, okay, il faut qu'il y ait une multitude de passages. Et pas, il fait une passe comme ça, il revient, il fait la queue-le-le, d'accord? Et il attend, et il refait une passe. Il faut qu'il le reproduise sans arrêt pour pouvoir le comprendre et l'ajuster. D'accord? Je vous montre dans des exercices comment on fait ça. Mais on va attaquer ça direct. Il y a une pause ou je peux enchaîner? Enchaîne. Allez, let's do it. Allez, là, il nous faut des joueurs. Allez, on y va. Tiens, on va commencer avec. Après, il va m'en faire d'autres. Mais on va commencer avec ces gentils garçons qui sont proposés. On va faire la remise en jeu. On travaille déjà à la fête. Alors, quand vous allez mettre un thème en place, mettez en sorte que le défenseur fait ce que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que là, on va travailler le feint. Donc, tu vas défendre sur lui. Ça tombe bien, t'es immense, tout ça. Voilà. Bon, si vous êtes en train de passer votre diplôme et vous voulez le mettre en valeur, ne mettez pas un gros défenseur sur un petit gars là, parce que je suis sur le thème de l'attaque, et si lui vole le ballon, je passe pour un con. D'accord? Donc, comme il faut être deux pour faire la passe, c'est le moment où j'ai pris des poussins. Et c'était extraordinaire, parce que dès le début de l'entraînement, il ne savait pas faire une feinte, et à la fin de l'entraînement, il feintait dans tous les sens. C'est une seule fois où j'ai vu les gamins progresser vraiment rapidement. Donc, tu es un acteur, tu peux mentir avec tes yeux, d'accord? Tu ne vas pas lui dire que lui, il est là-bas. Okay? Là, je suis devant un gars pour l'instant. Donc là, c'est mon autre attaquant. Okay? Toi, tu vas ouvrir un angle de passe. C'est-à-dire, tu ne vas pas te mettre 15 ans derrière le défenseur et faire comme ils font tous les enfants, comme ça. Okay? Tu vas bouger, tu vas ouvrir un angle de passe. Tu vas jouer le jeu pour me faire en sorte que je fais vachement bien. Si lui, il ment bien avec ses yeux, et il regarde là, tu joues, tu suis ça, ok? Et toi, t'es Jean Desjardins, ok? Et tu mens avec tes yeux et tu fais en sorte que s'il est là, mais tu regardes là-bas et tu feintes vers là-bas, ok? Là, maintenant,
Je vais pas le dire à lui d'aller défendre, rester en défense sur lui. Il va défendre tout le temps sur le porteur. Pour donner le temps qu'il arrive, à chaque fois que tu attrapes le ballon, tu vas faire un tour de dehors avec la balle. Ok? Allez, tu bouges, tu ouvres un angle de passe. Oh, bon train de toi, super, très bien. Ok, c'est ça, ok, très bien. Donc, ok, allez, c'est un tour. Paul, il doit être blessé au très froid. Et là, tu défends sur lui, il ment avec ses yeux, et ensuite, suite, jusqu'à là-bas. Ouais, ok. Ça marche super bien. C'est tout bête, c'est tout con, mais vous le dites, mentez avec vos yeux, vous le faites le truc que je dis, oh, regarde ça, mettez-le un claque derrière la tête. Sans trop fort que vous ne faites pas arrêter par voilà, la police, tout ça. Restez là, vous pour le prochain exemple. Là, il me faut quelques années de plus, là. Allez, 2-3 gars de plus. Et plusieurs ballons. Prenez un match de ballon. On fait une colonne là, 45 degrés, une colonne là, 45 degrés. Ça, je dis aux enfants, ça s'appelle. Comment tu t'appelles? Tu te mets derrière lui, c'est vrai? Comment tu t'appelles? Bastien. Bon, tu vas appeler Bastien à chaque fois que tu passes à Bastien. D'accord? Et tu vas faire un truc super chouette. Tu vas faire lentement un 2 après, et sur ce tapis, tu pars très vite au panier. D'accord? Mais lentement, c'est ce que tu as fait. Un, tu fais face, un, deux, et sur ce tapis-là, donc tu pars au panier, et tu mets ta main à l'aise. Dès que tu veux la passe à terre, moi je vais faire Bastien. Bastien! Bastien va se retourner, tu vas faire pareil, un, deux, ou passe à terre. Alors, si tu m'as visé, ton but, c'est que quand il va courir, tu vas faire en sorte que le ballon rebondisse devant lui et remonte dans l'extérieur. Je ne veux pas qu'elle remonte en moitié ici là. Je veux qu'elle remonte dans l'extérieur. D'accord ? Il va être en mouvement. D'accord ? Il va aller à la sorte de vitesse. Voilà. Et tu vas enchaîner les passes jusqu'à ce qu'on arrête. Ok ? C'est parti, tu le fais, passe direct. Voilà, super. 1, 2, boum ! Ok. Alors, bah, je vais déjà commencer à corriger. Moi, je vais demander la passe avec lui tout le temps. Tu vas donner le ballon. Bon, allez. Au début, tu vas être face à lui. Tu vas donner la balle. Et tout d'un coup, tu vas sauter la balle. Ok ? Et ton pied va être dans la ligne de passe. Quand il va remonter, d'accord ? Tu vas être dans la ligne de passe. Ok ? Et qu'il va être d'accord, je veux que tu l'accompagnes juste une certaine distance comme ça.
Moi, j'aime pas fermer à la barre. Je préfère ouvert. Okay. Mais invite-moi pour la prochaine fois et on discutera la défense sur ça. Okay. Donc là, on va dire fermer à la barre. Okay. Pied dans la ligne, passe. Okay. Vas-y, fais-le. Fermer à la barre ici. Je vais le passer. Là, tu vas le suivre jusqu'au bout. D'accord. Et tu vas essayer. Tu peux même voir un petit avantage sur lui ou tout machin. Ou là, il faut même mettre mon cul dessus. Ok, vas-y, Paul. Ça, ça c'est super important. Comme une fois, je crois qu'on ne fait pas la passe alors qu'il y est, même si le défenseur avait un léger avantage sur Paul, je peux la donner. Vas-y, go. Voilà. Ok. Comment vous voulez que le défenseur, déjà dos à la balle, mette sa main ici? C'est la capacité de mettre le ballon là où le défenseur ne peut pas l'avoir. La même chose sur une contre-attaque. Vous partez vers là-bas, vous êtes au même niveau, d'accord? Et je le balance devant là. D'accord? Alors, il y a deux styles de passe que vous pouvez faire sur ça. Okay. Soit vous le donnez directement dans les mains, d'accord? Soit vous le faites rebondir légèrement devant, d'accord? Pour qu'il puisse l'avoir. Ok, c'est pas forcément, faut juste que, et même avec le rebond devant, c'est encore mieux parce qu'il a tendance à s'adapter au truc. Mais si vous arrivez à le filer le fil dans les mains, voilà. Est-ce qu'il y a un Européen qui le fait bien ça, en NBA? J'ai entendu, oui. Ouais, je sais pas comment, mais bon, c'est un phénomène. Voilà. Donc là, maintenant, on a le défenseur. Le défenseur, vous restez plusieurs fois. Je sens. C'est la même chose de passer derrière moi. J'ai des super passes d'aise là. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà. Je vais le faire à deux mains, ça se prend mal. Allez. Vous pouvez changer de couleur à chaque fois. Cet exo, mais ça, après ça devient plus un truc de démarquage et pas assez de la passe. C'est-à-dire que après je vais demander, donner le ballon et je demande au défenseur de rester, essayer de rester face, d'accord. Et il va faire extérieur et une passe ici. Il doit essayer de passer son bras, son épaule à sa hanche pour avoir un avantage. Ok. Je fais juste un petit parenthèse sur ça. Ok. Sur le démarquage. Okay. Parce que quand, si vous avez un thème de démarquage, alors attention, parce que peut-être votre jury ne va pas aimer ça. Peut-être votre jury va vouloir que vous allez au contact, vous passez la pique, vous sortez. Ok. Mais je trouve beaucoup plus intéressant d'abord apprendre le backdoor. Ok. Et apprendre aussi à déséquilibrer dans un sens pour aller dans l'autre. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le basket, on va dans un sens pour aller dans l'autre. Là, c'est pareil, je viens là. Et le mieux, si vraiment il veut me faire un bon backdoor, c'est qu'il me fait une fin de passe. Vas-y, on était sur le backdoor, t'es sur la ligne de passe. Fais-moi une fin de passe là. D'accord. Et que là, maintenant, je vais le ramener vers la base, lentement, pour aller ici et passer. Ok. Si vous apprenez ça avant d'apprendre ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ok. Finis la parenthèse sur le démarquage. Donc ça, c'était l'exo pour le backdoor, le passe à terre. Okay. Maintenant, l'exo pour la passe baseball ou la passe de relance. Paul, mets-toi là. Toi, tu vas te mettre sur le panier là-bas. Mets-toi ici, s'il te plaît. Et toi, tu peux te mettre là-bas sur la balance. Imaginez qu'on est plus sûr, je ne vais pas le faire courir 2 heures. Ok. Là, je vais le faire.
côtés, alors imagine que tu sprints. Okay. Un livre et tu passes à deux mains, un peu lobées, mais qui va arriver sur sa main extérieure ici. D'accord ? Il va arriver sur sa main extérieure pour qu'il puisse enchaîner du coup pas. Tu vas retrouver son rebond. Dès qu'il a chuté, tu vas de partir. Mon objectif, c'est que vous êtes arrivé au milieu de terrain quand il est prêt à faire la passe. N'attends pas qu'il soit passé au milieu de terrain pour faire la passe. Okay? C'est bon? Donc tu vas récupérer le rebond de lui ici. Et boum, dès qu'il a récupéré le rebond là, ça enchaîne tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, bien, bien. Non, tu restes là, tu restes là. Tu vas faire la passe. Tu restes là, toi, bon, il reste là. Vous êtes que les shooters, je veux le même patient tout le temps.
défenseur. Et la passe est à faire. Comment elle va être la passe? C'était pas toi qui as dit à une main? Si. Ah, ok. Donc, moi, je voudrais que tu viennes ici. Tu sais que tu vas donner là, donc tu ne regardes pas là pour l'instant. D'accord? Parce que tu sais que tu vas donner. Et tu vas me faire ça. Allez, vous mettez ici.
C'est génial. Donc vous allez faire le premier là. On fait trois colonnes. Vous restez dans vos colonnes. Ok. Bon échauffement. Tout simple, tout bête. D'accord. Bon échauffement. On reste sur sa colonne. On fait 5 passes. Là, on ne touche pas au sol. On marque, on ne double pas là-bas. 5 passes. Ok. C'est parti. On donne au milieu à chaque fois. Ça, c'est fort. Lui, il voulait revenir pour recommencer. Je ne supporte pas ça. Ne faites pas les rotations où il faut en aller et il y a une autre sécurité sans rien faire. Donc, lui, il va donc une grille au moins ou quelque chose comme ça. Mais ne faites pas ça. D'accord ? Dans vos exercices, le plus du temps, vous voudrez quand même revenir vous mettre dans une colonne ici. Trouvez-moi un travail sur un aller. Et sur notre allée, sans perdre du temps à revenir sur les côtés. C'est insupportable. Le ballon ne touche pas le sol, d'accord ?
les trois joueurs doivent être en train de mettre à 3 points des deux côtés, c'est-à-dire là-bas et ici, je panier. S'ils ratent le panier, s'ils font marcher, si le ballon touche le sol, avec le panier ici, je ne valide pas. D'accord ? Ok ? On peut essayer. Allez, c'est parti. Alors, deux joueurs avec deux ballons ici. Allez.
Le joueur a deux ballons. Il a deux ballons. Chaque joueur a deux ballons. Un ballon quoi. Non, mais il a ce ballon à l'extérieur. Après, tu l'as à l'extérieur. Viens là. Viens là. Et on va mettre une poêle ici. Et vous deux là. Ok. Alors, je vais dire la vérité. Tu vas te mettre ici pour faire un écran à un de tes camarades qui va sortir. Vas-y, passe-toi là. Tu te mets pareil que lui, au-dessus de la caméra. Même en même temps, regarde comme il est. Voilà. Okay, donc, ça, c'est. J'ai adapté le truc de passe par rapport au système que j'ai. Okay, donc, n'allez pas faire des trucs que vous ne faites pas faire pendant les matchs. Ça, c'est parce que j'ai des entrées comme ça et que je vais travailler sur certaines choses. Donc, ces deux-là, vous êtes en train de travailler au plus dans ce temps-là. Okay? Tu vas feinter dans un sens parce que dans le basket, on va toujours l'opposé de là où on va aller pour déséquilibrer sur ton défenseur. Et tu vas sortir de l'écran d'un coup. Okay? Donc, vas-y, on le fait en marchant. Paul va se décaler du côté où il sort et il va lui faire la passe à une main. D'accord? Là, ici, dans le bon timing. Soit tu vas ouvrir, okay? Et tu vas avoir des attitudes. Tu vas capter le ballon, mettre face au jeu tout de suite et tu vas le donner là où il demande. Lui, ici, son grand et costaud, il le veut là, tu lui donnes là où il demande. Okay? Il sait ce qu'il fait. Okay? Attends, c'est pas fini. Tu vas prendre le ballon, tu vas montrer tes moves dos au panier, tu vas marquer et tu vas rendre le ballon à lui quand il a fini. Paul, pendant qu'il a encore ce ballon-là, je veux qu'il vous montre d'aller super cross. Quoi. Il va faire un cross ici à son joueur défenseur imaginaire. Et il va entrer dans la raquette. Et il va s'arrêter sans sauter. Et il va trouver la passe ici. D'accord? Alors, il y a le pivoté qu'on n'a pas parlé de. C'est d'attaquer dans un sens, pivoter dans un sens. Important entre les appuis, le pivoter et tout ça. D'accord? Donc, il peut, à vous de voir si vous voulez travailler. Il peut faire fin de tir, tout ça, peu importe. Et toi, tu vas, si tu es chaud, tu tires à 3 points, si tu n'es pas chaud, tu peux dribbler, faire un flotteur, tire comme tu veux. Okay? Tu récupères les deux ballons, tu prends la place au Paul, Paul va être en place. Toi, tu enchaînes de l'autre côté avec Forest là-bas. Okay? Allez. Un bon shooter, il est prêt avant que le ballon arrive. Okay. Allez, parti. C'est à toi. Ok, drive. Drive ça. Ok, allez, très bien. Ok, sans gêne. Allez. Très bien, garde. Ok, stop. Ok, vamos. Vas-y, donne les deux ballons là-haut. Allez, tu mets en place. Maintenant, tu vas curler autour de cet écran. Okay? Donc, je veux que la passe arrive direct ici, pas de passe à terre. Et toi, quand il curle, toi, tu vas flairer. Okay? Je veux que ça fasse tac-tac. Okay? Alors, à vous de décider quelle main que vous voulez qu'il fasse le premier. Okay? Peut-être que vous allez demander avec la main gauche. Là, je ne pourrais pas entrer dans ces détails-là parce que j'ai plus de choses à vous montrer. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, boum, boum. Okay? On enchaîne, vas-y. C'est bon, c'est confortable avec. Voilà, joli. Allez, Okay.
passe, je garde les grandes, boum, je flappe sur ça. Alors, on va pas faire le pas de la côté, tout ça, sur ça, ok. Et je flappe sur ça, donc c'est pas ce côté, tout ça. Ensuite, toi, tu vas monter avec les grandes sur lui maintenant. Okay. Tu vas poser les grandes du côté où tu veux, je m'en fous pour l'instant. Et tu vas voler au panier, ok. Donc, toi, tu vas jouer l'opposé du clip d'abord, en contraint toujours. Les Américains, c'est toujours en contraint l'opposé de l'écran, d'accord. Et là, on joue l'écran. Et tu Tyson Chandler, il a convaincu un entraîneur de NBA de partir direct comme ça. La plupart des entraîneurs français, ils disent ouvrir la relâche là. Mais ça va plus vite d'aller directement comme ça au panier. Et je veux que, dès que toi, ton objectif, c'est ton hanche emboîté ici, avec ton épaule emboîtée à ma hanche, qui est très bas ici, et je roule au panier, et ton objectif, c'est de me faire une petite passe qui va rebondir ici dans ma main. Ok, on peut enchaîner comme ça. Donc il y a le flair et on monte au vide. Allez, c'est parti. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Sans flair. Allez, sans flair. Allez, on va faire ça là-bas. On va faire ça. C'est pas interdit. On peut arriver. Devant, derrière, sur le côté. Donc c'est ce qu'on a fait à l'intérieur. Ballon, joueur,
panier, on voit l'alignement, peu importe où il est le défenseur, d'accord, je donne, vous jouez en contre 1, selon à quel point ils sont chauds, ok, on vous dit que vous avez joué en contre 1, vous sortez, Paul s'écarte, et toi tu drive, tu demandes de mettre un pied dans la raquette, d'accord, et sortir sur lui en close out. Paul joue un contre 1. Vous donnez deux dribbles, un dribble, je sais pas, si vous voulez, encore, un contre 1 sur ça. Eux, ils ont fini, ils sortent, boum, un contre 1. Mais fais-moi mes échauffements, finissent tous nos contre 1. Si je pouvais faire cet échauffement à chaque entraînement, je le ferais. Je le fais pas parce qu'ils vont dire putain, encore ça, tout ça. Alors que moi, je voudrais faire celui-là à chaque fois parce que j'ai tout. J'ai du tir, j'ai du dribble, j'ai de la passe et j'ai du un contre 1 à faire et je suis prêt à enchaîner sur mon